Bonjour à tous, ici Classim. On se retrouve pour ce 45e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP. Actuellement, on est en guerre du côté de la Pologne et on va continuer tranquillement ces guerres. On avait réussi à prendre un gros morceau de territoire au Couman. Il va falloir continuer cette histoire-là. Tiens, on va pouvoir encore dénoncer des gens. Qui est-ce qu'on peut emprisonner Ah, lui aussi, il veut se révolter. Sauf qu'il est ici. Pas de bol pour lui. On va pouvoir regrouper toutes nos armées. Très bien. On va pouvoir piller d'autres territoires que je n'ai pas pillés pendant l'inter-épisode. Voilà. Au moins, on nettoie. Très bien. D'ailleurs, ça fait un moment, hein, que notre... Elle se passe comment, d'ailleurs, cette croisade? La croisade se passe plutôt pas mal, apparemment. Même plutôt très très bien. Alors, je sais pas qui va la gagner, cette croisade, hein, pour l'instant. Je sais pas avec qui elle est. Qui la remporte? C'est le calife Al-Mustarazim, donc le calife... Ah bah d'accord, c'est mon vassal qui est en train de la remporter. Bah très bien. Ça m'arrange. M'arrange complètement. Puisque ça va nous donner des territoires qu'on pourra lui annuler hein, par la suite. Ça va de soi. Parce qu'on va éviter de lui laisser trop de puissance à ce calife là, sinon ça pourrait nous poser des problèmes pour la suite de l'aventure, et c'est pas vraiment ce que je souhaite. Puisque s'ils ont une possibilité de se révolter, il va falloir vraiment les affronter et je préfère les affaiblir avant. Toujours mieux. Alors, cette guerre-là, c'est conquête de Tumen. Et Tumen, c'est pas ici, Tumen, c'est ici. Donc, on va lui déclarer la guerre à cet homme-là. Conquête de ce territoire-là. C'est parti. On va prendre sa capitale et mes vassaux n'auront plus qu'à prendre le dernier territoire qu'il reste à prendre. Alors ça c'est mon vassal, mais c'est le clan, d'accord, c'est un clan, donc ça ne marche pas. On a perdu notre possibilité d'emprisonner le khan de Roum. Un peu dommage, mais bon, on va devoir faire avec. Il y en a des rebelles géorgiens. On va peut-être pouvoir attaquer Smolensk à nouveau d'ailleurs. Ce qui pourrait être pas mal. Et ok, ça c'est pas mal. Allez, ici, 100% de score de guerre. On s'est remporté et on a remporté un joli duché avec du monde à l'intérieur apparemment. Allez, on va lui annuler son titre tout de suite pour éviter les problèmes. Pas question de renforcer. Je pense qu'on va annuler très rapidement les titres des comtes. Les ducs, ça viendra par la suite, c'est pas un problème. Ici. Et je pense qu'on va pouvoir se préparer à attaquer Vitebsk, la Pologne, etc. Pour l'instant, on ne peut pas faire de les guerres que je veux, mais ça, c'est pas le plus grave, on va dire. Ok, bien. Alors, d'ailleurs, Karakorum, il n'y a rien de construit. Allez, on va éclairer encore un de mes vassaux qui n'est pas de ma religion, en tout cas, enfin de mon courant de pensée religieux. Non, ça m'intéresse pas d'emprisonner ce vassal-là. Et cette guerre-là, 71%, c'est tout. Ah non, c'est le khan de Duna qui... Khan de Duna. C'est mon vassal, ça.
Oh, qui fait le travail, très bien, très bien. Donc il pourrait remporter tous ces territoires-là, ce qui lui donnerait beaucoup de puissance. Donc il va falloir faire quand même attention. Le but n'est pas forcément de donner de la puissance non plus trop à mes vassaux. C'est lequel que j'ai emprisonné? Voilà, j'ai récupéré la mosquée. On va aller s'occuper de ces rebelles ici. Et on a un enfant qui peut être éduqué par quelqu'un qui serait plutôt aimable, si possible. Voilà, ça serait très bien. Allez, est-ce qu'on va réussir à les repousser? Alors, faut rester d'obéir, faut rester mongol, hein. Attention. Très important. Oh, il a eu plusieurs enfants, c'est très bien. Et même des bâtards pour le coup. Qui peut-on emprisonner là pour le coup? Ce Khan. Peu importe ça. Les Khans, ça ne m'intéresse pas, si ce n'est à la rigueur pour intégrer leur clan au mien et reformer des alliances qui m'arrangent plus. L'intérêt n'est pas là sinon. Tiens, on peut attaquer cet homme-là, déclarer la guerre pour la subordination de tout son territoire. Ça marche. Moi, je prends. On me laisse, hein, je vais pas non plus dire non. Peut-être conquête ici, ce sera très bien. Allez, on va pouvoir laisser les territoires. D'accord, 100% de score de guerre ici. C'est très bien, une guerre en moins. La guerre à Bodgar. Ok. Là, on est vraiment très très bien hein, sur nos guerres. Bon, libération géorgienne. Pour ce que ça me dérange. Allez, un peu de pillage à nouveau. Ah, c'est la fameuse longue liste là que l'on a. Ouais, elle va arriver régulièrement cette liste là. Mais une fois qu'elle sera vide, on la re-remplira à nouveau. Hein. Faut pas s'inquiéter. Et là, faut faire attention de bien être. Ouais, là, on a 70 000. On est qu'à 60% en fait de notre population. Parce que vous voyez, 20, bon, 250 000 généralement, voilà, ça fait un cinquième. 50 000 fait un cinquième. Donc 4 cinquièmes, c'est 80%. Il faut être à 90% hein, pour pouvoir prétendre lancer une invasion. Donc il faut faire assez attention à ce genre de choses. Ok, toi tu me donnes ton titre, je vais accepter. Merci pour le titre, c'est gentil. On va pouvoir revenir de ce côté-ci, peut-être même du côté de Smolensk plutôt. Et pour l'instant, bah, les guerres se passent pas trop mal. J'emmènerai ces 1000 troupes du côté de Smolensk et puis on va déclarer la guerre. D'accord, c'est la guerre entre le Khan et le Calife. Je préfère que ce soit le Khan presque qui ait le titre, puisque au moins je suis, ça peut me permettre d'assurer comme ça. Ça peut me permettre d'assurer en fait, d'avoir que des clans nomades à la place. Donc il va forcément y avoir du pillage, etc. Mais ça me dérange pas. C'est plutôt pratique, au contraire. Bon voilà, il n'y a plus de Bodgar, très très bien. Ça c'est une bonne nouvelle. On pourra attaquer à nouveau Rostov et Riazan bientôt. Ok, victoire ici. Guerre terminée. Ton évêché est à moi. Ça va de soi. Bon, réputation foutue. C'est pas grave.
Soulèvement catholique, très bien. Ah oui, c'est vrai qu'on est rentré en Pologne, donc maintenant, oui, les soulèvements catholiques, on va forcément en avoir. Elle donne quoi cette guerre pour l'instant? 87%. Ah oui, quand même, c'est plutôt pas mal, 87%. Même plutôt une jolie guerre. Par contre, je sais pas si notre clan, comme il va devenir roi, enfin, il va avoir un titre de khan en plus de son titre de clan, je ne sais pas s'il va rester vassal ou s'il passera en féodalité. On a bientôt fini la guerre avec ce sheikh. Pourquoi pas? Allez, un pillage dans la Russie. D'accord, c'est bien ça. Bon, on n'est pas marié, on n'a pas d'ambition. C'est normal, pour l'instant on est satisfait, donc les ambitions, voilà. Oh, bah plus d'hommes, pourquoi pas. Ça fait pas de mal. Je pense que je vais m'attaquer rapidement à cet homme-là, là, ce qui commence à être gênant. Mais il faut réussir cette prise de territoire ici. Mes vassaux, voulez-vous bien venir, s'il vous plaît? Merci. Et ils ont quand même de sacrées armées, à ce que j'ai pu voir. Il y en a un qui a quasiment 25 000 troupes. C'est plutôt joli, comme troupe. Et la djihad est à 92%. Ouh, plutôt bien même. Même très très bien. Ça c'est mon intendant et c'est un khan, c'est un clan. Voilà, on va rien lui dire. Pour l'instant. Et le cheikh du Sinaï, on n'en a pas vraiment à avoir peur pour le moment. Il y a quand même de grosses armées ici, des iconoclastes apparemment qui se soulèvent. Ça pourrait être l'occasion de déclarer une petite guerre. Et pour l'instant, on va faire piller un petit peu tout ça. Ça marche. J'aurais remporté ce territoire ici. Victoire, oui, c'est bon, c'est remporté. Donc un titre et beaucoup de choses remportées, ça c'est très bien. On va pouvoir avancer d'ailleurs sur les révoltes catholiques. Et on a bientôt une paix qui se termine avec le comte de je ne sais pas quoi, mais on n'a pas vraiment eu à s'en soucier. 100% de guerre contre les catholiques. Voilà, ça c'est réglé. J'aime quand les guerres se passent comme ceci. Est-ce qu'on peut déclarer la guerre à cet homme-là? Bon, on est toujours en paix avec lui, mais Smolensk, on devrait pouvoir. Donc on va pouvoir, on va ramener nos armées, on va essayer de récupérer Smolensk rapidement. Un nouveau soulèvement catholique. Ok. Alors cet homme-là, il est plutôt patient, il est plutôt courageux, il est un peu ambitieux. On va le laisser juste pourrir. S'il est pas vraiment aimable. Et puis nous, c'est un petit peu notre opposé pour l'instant. Dis donc, toi. Tu fais des bêtises là. Cet homme-là, aimable, charitable. On va faire preuve d'un petit peu de clémence. Ok. On va pouvoir appuyer ici. Très bien. Et on va d'ailleurs regarder si on peut donner un peu d'argent pour certains prisonniers, comme celui-ci d'ailleurs. On va être très clément avec lui. Voilà, qui devrait être beaucoup mieux.
Avec un petit peu d'or, tout s'arrange. Et on va aller du côté de Karakorum, parce que ça fait un moment que je n'ai pas reconstruit. Fabrique de feutre, un pot nomade, total des vivres hivernaux. Ça c'est très bien, parce qu'on en a besoin des vivres hivernaux, puisqu'on se bat encore dans des territoires hostiles qui demandent beaucoup de vivres hivernaux pour éviter de perdre trop d'armées. Et ça peut être vraiment important. L'Arctique ne pardonne pas. Arctique ou Antarctique? Antarctique plutôt. J'aurais pas trop me trompé, ou c'est ça? C'est Antarctique. Non, Terra Arctique. D'accord, bon, ils l'ont nommé Arctique, mais je ne sais plus me repérer entre mon Antarctique et mon Arctique. Je me souviens plus du moyen mnémotechnique pour m'en souvenir. Et apparemment, l'ordre teutonique a été intégré à l'Empire, au Saint-Empire. Donc ça promet des batailles assez épiques, je pense. De ce côté-ci, on va monter l'infrastructure des églises. Et ça, on n'a pas spécialement besoin de les monter. On y montera plus tard. On a un khan que l'on peut emprisonner, mais c'est un clan, donc aucun intérêt. Et pour l'instant, eh ben, ça avance plutôt pas mal. On va pouvoir attaquer Smolensk et on va même le faire. Subordination de Smolensk directement. Voilà. Et on y va. Ok. Est-ce qu'on a des frais payés encore pour d'autres personnes? Non. Très bien. Très très bien cette histoire-là. On prend des territoires encore ici, pas mal ça. Va falloir qu'on s'attaque à cette armée ici. Bon, soulevant Miaphysite. Oui. Miaphysite et tout, il y en a du monde. Et à la prochaine guerre, on regardera un peu plus attentivement l'armée de mes vassaux. J'ai pas fait attention à ça. C'est un peu la moindre des choses quand même. Alors, on va aller s'occuper ici, récupérer ce qu'il nous faut. Si on peut détruire cette armée, je vais pas dire non. Ouh, mon fils n'est plus lâche, bah c'est plutôt pas mal ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, qui est beaucoup mieux. Et encore du pillage. Dis, toi, tu veux pas reposer tes armées là, arrêter un petit peu tes bêtises? Oh, tiens, on va rassembler la foule, on va commencer à brûler des comptoirs commerciaux aussi. C'est de la construction, on garde pas ça chez nous, hein, la construction. On construit des tentes, hein, on construit pas de port. C'est bien connu, on est des nomades, hein, on n'est pas... Tiens, toi, qu'est-ce que tu... C'est des miaphysites là qui... D'accord. On va aller les brûler tranquillement. Tiens, on a gagné un peu de prestige en brûlant en plus tout ça. Soulèvement catholique encore une fois. Voilà, qui devrait aider aussi un petit peu. On devrait avoir des révoltes russes, hein, très prochainement. Ok, 60%. On a plutôt pas mal pris de territoire là pour le coup. Ouh, ben, les catholiques ont pris une grosse raclée. Excusez-moi, j'ai un peu le hoquet. Ce qui n'est pas évident pour parler en même temps. Il va falloir qu'on se dirige du côté de la Bulgarie aussi, qu'on fasse. Oh, bon, on a encore plein de soulèvements en tout genre.
Alors je voulais regarder, oui, ils ont quand même 10 000, 15 000 hommes, c'est plutôt pas mal. Et de ce côté-ci, on est 98% avec le Khan qui dirige le Khan de Bouche. Ouais, d'accord. Très bien, on a un Khan qui fait le travail. Et nous, on pille pour faire vivre nos brebis et nos moutons. Très bien, on va peut-être se laisser après la prise de Jérusalem par notre grand empire. Allez, les Miaphysites qui ont été détruits, libération géorgienne. Attends, on n'arrête pas le pillage, hein. Et après, de ce côté-ci. Alors. Non. Jihad réussi. Donc on a réussi à usurper le Khanat. Et donc lui, il est devenu aussi Khan de Jérusalem. Bon, on a récupéré du territoire pour le coup, même pas mal de territoire, c'est très bien ça. C'est très très bien. Alors on va voir si il pille tout ça. Normalement il devrait, hein, mais donc victoire réussie, on va piller de notre côté. C'est très bien. Est-ce qu'on a besoin? Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. On avance de ce côté-ci. On a pris bon un territoire qui nous aide pas pour l'achievement, mais qui nous permettra quand même d'avancer, d'avoir des troupes supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il va nous falloir maintenant nous diriger tranquillement vers la Grèce, finir aussi Novgorod, Rostov, et finir les Coumans aussi. On a quand même pas mal à faire chez les Coumans. En tout cas, moi. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!